J'ai eu l'honneur de présider cet atelier régional d'information du projet Cadastre et sécurisation foncière, donc nous, qui a réuni aujourd'hui les autorités administratives, les maires qui sont en charge de la gestion foncière du domaine national, les présidents de conseils départementaux et services techniques régionaux, l'ensemble des membres de la société civile, les organisations de jeunes et de femmes. Donc pour leur présenter les contours du projet PROCASEF, qui sera déroulé sur 5 ans. Je rappelle que c'est un projet qui a été mis en œuvre par l'État du Sénégal, dont le ministre des Finances et du Budget assure la tutelle, qui a reçu l'accompagnement de la Banque mondiale à hauteur de 80 millions de dollars. Donc, il était question de rencontrer tous les acteurs qui gravitent autour des questions foncières pour leur présenter le projet qui se fixe comme objectif général d'accompagner l'État du Sénégal, d'asseoir un cadastre à l'échelle nationale, mais surtout d'accompagner et d'appuyer les communes pour une sécurisation foncière. Compte tenu du contexte qui est marqué par la prolifération des conflits fonciers, l'accaparement des terres, parce que le foncier charrie les passions et objet de convoitise. Donc ce projet aujourd'hui ne se présente pas comme un énième réforme foncière, non, il vient pour accompagner les collectivités territoriales, pour mettre à leur disposition des outils de sécurisation foncière, des infrastructures qui vont leur permettre de maîtriser le foncier, surtout la mise en place de systèmes d'information foncière, la création de bureaux fonciers où on aura un registre foncier numérisé qui va permettre d'avoir une gestion des terres efficiente pour un bon développement rural. Le projet cadastre et sécurisation foncière va s'exécuter autour de trois composantes techniques. On a considéré d'abord, pour faire de la sécurisation foncière, il faut des investissements en infrastructures de base. Et c'est un investissement qui est assez lourd que les communes ne peuvent pas en fait supporter. Il s'agit d'acheter des images satellites sur toute l'étendue du territoire national. Ensuite, de mettre toutes les infrastructures géodésiques, de construire des bureaux fonciers, et de mettre un système d'information foncière qui est interconnecté avec l'ensemble des communes et avec le système de gestion des impôts et domaines. Donc, c'est d'abord un investissement en infrastructure assez lourd. La deuxième composante, c'est une composante opérationnelle. Il s'agira de faire l'identification systématique de l'ensemble des occupations foncières sur toutes les 136 communes. Ce qui est quand même aussi une démarche assez lourde parce que la démarche utilisée est la démarche systématique. L'objectif, c'est d'identifier, de clarifier l'occupation, mais aussi de formaliser cette occupation. La dernière composante est une composante innovation, dialogue, proposition. Parce que la démarche apportée est une démarche innovante. Les outils sont des outils aussi modernes. Il faut penser à un plan de formation de l'ensemble des acteurs, d'abord. Ensuite, on pense que sur la base de l'ensemble des expériences qui ont eu lieu dans les zones de projet, on peut quand même capitaliser, systématiser et organiser un débat autour des processus de sécurisation foncière pour arriver à des consensus forts. Et ces consensus pourront faire en fait l'objet de recommandations auprès du gouvernement pour animer un peu le débat sur la réforme foncière qui tarde à se concrétiser depuis 1996.